J'ai un petit colis qui est arrivé pour le prochain projet. De toute façon, je pense que c'était dans la miniature. Donc il n'y a pas trop de spoil, c'est une auto. Une petite Vago. Mais va falloir la monter. Allez, quand tu vas en concession, maintenant, tu es obligé de monter les bagnoles. Si vous saviez depuis combien de temps j'ai ça en tête. Et là, on est en train de tout ouvrir. Eh ben, il va y avoir un peu de montage. Il y a même une clé. Allez, on sort ça. Enfin, je savais pas, mais je savais qu'elle s'ouvrait. Mais il y a un petit loquet là. Là. Ah, il y a un truc pour le bloquer, c'est trop bien. Là, on a une roue. Ah, elles sont comme ça. Ah ouais, d'accord, t'as des enjoliveurs à mettre dessus. Une roue, deux roues. C'est déjà pas mal, mais il en manque deux autres. Un volant, et il est toute option le volant, il y a même des boutons dessus. Trois roues, je crois qu'ils ont oublié la quatrième. Un petit rétro, c'est mignon. Bon alors, je suis pas sûr de la bonne réflexion du rétro, mais bon, il y en a un, je pourrais aller sur la route avec. Un autre rétro. Ça, je vous le garde pour plus tard. Le petit chargeur, sinon la voiture elle fonctionne pas. Et ça tombe bien, parce que je l'ai pas dit encore, mais... Il y a un petit chargeur, pour une Dodge Charger. Putain, elle est nulle celle-là. Forcément la petite télécommande, hein, c'est une voiture pour gamin à l'origine. Alors qu'est-ce donc ça? Ah bah c'est le siège. Ah ouais. Ah, par contre il se fout un peu de la gueule du monde. Ah, sur l'annonce j'avais vu deux sièges. Je me suis dit c'est une deux places. Moi non. Par contre il y a bien deux sièges. Regarde ça. Deux sièges. Après si c'était plus de deux, je sais pas si j'arriverai à compter. Mais là deux je suis sûr de moi. Quatre trous et les enjoliveurs. Ce que je trouve délire sur ces enjoliveurs, c'est que c'est des enjoliveurs... Style jante en tôle, mais chromé. Ah, ah mais ils sont chromés, on ne dit plus rien. Et le plus important, la notice. Bon, il y a un guide de montage là-dessus, quoi. Parce qu'après tout, si je peux me faire aider, je vais quand même pas me faire prier. Et par contre, il manque un petit truc, là. Ah, mais c'est qu'il nous cache des choses. Bah oui, je me disais aussi, le pare-brise. Il y a une petite surprise dessus. Pareil, je vous le garde pour après. Bon, par contre, il manque toujours un truc. Il est là. Ah oui, vraiment, il nous cache tout. Il n'y a plus rien ce coup-ci. Il n'y a plus rien. Le petit pare-buffle. Alors ça m'a donné des idées. Si vous saviez. Bon, passons au montage. Ah quand même. Que je ne sois pas le seul à monter l'engin. Ah, il y a tout qui est expliqué. Comme ça, regarde. Ikea, je te dis. Bon, évidemment, je vous fais ça en accéléré parce que sinon, ça va être chiant. Commence à faire chaud. Roue avant, enjoliveur, joint de 10, la goupille fendue, le croche. Ok. Alors, où qu'est-ce donc tous ces éléments? Il n'est pas mis bien droit, l'enjoliveur. Ça tourne un peu en patate. Ça tourne en patate. Allez, tant pis. Eh, c'est technologique, hein. Suspension par élastique. Oh, ces abrutis, ils l'ont pas mis symétrique. Bon. On va régler le différentiel. Ah, ça rigole pas, hein. 4 vis de chaque côté, quand même. Ah, il a sauté. Ça, c'est l'élastique, hein. C'est vrai que les suspensions à l'élastique. Ah, mais c'est qu'ils ont mis des ressorts. Ah, putain. Ah, il y a vraiment des suspensions, en vrai. C'est excellent. Deuxième étape. Ça va commencer à ressembler à une belle Vago, ça. Avec un pare-brise comme ça, j'espère que j'aurai pas d'impact. Allez, la suite. Petite voiture ou grosse voiture, il nous arrive toujours la même chose. Voilà. Sans fixer. Bon, on va voir comment tout ça fonctionne du coup. Bon alors comme je vous disais, il y a les petites clés de contact là. Du coup, quand je fais ça, ça allume les compteurs. Et ça fait du bruit aussi. Bon, et du coup, on a un petit autoradio avec une trim jack, un petit port USB, les compteurs, bon qui sont éliminés mais qui servent à rien évidemment. On a les différentes vitesses. Bon ok, on s'en fout royal de ça. Hein.
Mais attendez, ces deux petits boutons là, là ça commence à être marrant. Alors regarde ça, un des deux boutons sert à ça. Et attends, c'est pas fini, parce que s'il y a l'avant, il y a l'arrière. Bon, et puis maintenant, un truc, si jamais vous offrez ça à vos enfants, bah, vous saurez que ça, par contre, ça va bien vous faire chier. Et puis, il y a encore une petite chose, et bah, forcément le meilleur pour la fin. Et là, vous m'entendez mieux ou pas? Bon, ok, la qualité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais n'empêche qu'en tant qu'enfant, pour bien emmerder ses parents, il y a pas beaucoup mieux. Hein. Et bah, tu sais pas quoi en plus? Et bah, ils ont même prévu le support de la civile. Du coup, t'as le petit truc là, tu le mets là-dessus. Tadam! Bon, il y a d'autres options aussi, hein, genre... Oh, c'est chiant. C'est encore pire. Comment on fait pour éteindre l'affaire? Ah, j'ai une idée. Putain. Bon alors, le bouton gauche du volant, il est à proscrire. Hein. Par contre, le bouton droit... Bon allez, testons la bestiole. Bon, et puis c'est une américaine. Nous, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est ce qu'elle a dans le sac. Là-bas, ils aiment beaucoup les burn-out. Bon, on a juste à voir si ça le fait. Attention, un petit boost. Bon, on peut le dire, c'est une vraie américaine. Mais on va l'américaniser encore un peu plus. Je pense que maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai acheté cette connerie. Parce que oui, hein, soyons francs, c'est une connerie. Une belle connerie, même. Bon, bah, je vous fais pas languir plus longtemps. Place aux explications. Bon alors, vous attendez les explications, hein. Bah ouais, logique. Si j'ai acheté ça, c'est pour faire un go... Venez aussi me suivre sur la page Facebook. Si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe.